Nous n'avons à ce jour aucune preuve confirmant les affirmations de l'EI, mais nous allons évidemment continuer à examiner les informations dont nous disposons. Notre politique en matière d'otages à travers le monde est la suivante. Nous ne faisons pas de concessions aux terroristes et aux preneurs d'otages. Nous ne payons pas de rançon et nous adhérons rigoureusement à cette politique. Néanmoins, nous sommes actuellement en train de réexaminer notre politique en matière d'otages. Pas en ce qui concerne les concessions que j'ai mentionnées, mais en ce qui concerne le soutien que nous pouvons apporter, par exemple, aux familles qui souffrent beaucoup quand leurs proches se trouvent dans cette situation.